Bien, parmi les grosses têtes des grands du rire, nous sommes heureux de retrouver notre ami Laurent de Funès et puis Marthe Mercadier, qu'on ne présente plus, puisque depuis qu'elle est rentrée dans la résistance, elle n'en est jamais ressortie, et puisque vous êtes c'est même vrai, capable c'est vrai, de danser encore avec les stars à la télévision, et puis surtout d'être sur scène pour cette pièce de la Grande Vadrouille dont vous allez nous parler. Oh, c'est un coup de foudre. Un retour à une aventure tellement, tellement extraordinaire. C'est le petit-fils. C'est alors, le petit-fils du grand Louis. Du grand Louis. Hein, vous n'êtes que deux sur scène? On n'est que deux. Que deux. Mais c'est déjà beaucoup avec Martin. Martin prend la place de trois personnes. Alors bon, il faut se battre, hein, après, il faut y aller. Hein. Alors cette tournée va partir dans toute la France, c'est ça? Oui. Cette tournée, parce que vous avez une optique sur Paris bientôt? Oui, on a déjà deux théâtres qui nous demandent. Voilà. Pour l'instant, c'est la province. On va voir, mais d'abord la province, autour de la France. Enfin voilà, on fait tout notre petit, comme je fais d'habitude. Le rodage de la pièce est aussi le vôtre, en fait, non? Parce que en tant que comédien, c'est déjà une rude épreuve d'attaquer comme ça seul avec Marthe. Oui, c'est déjà une rude épreuve d'attaquer avec Marthe. Si j'étais un une horreur. Déjà, on me lâche sur scène, on dit vas-y, puis à Marthe. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, mon petit. Arrête. Non, mais il faut résister à ce tempérament. Voilà, il faut résister à Marthe. Voilà, c'est déjà le premier truc. Mais une fois qu'on a commencé à résister à Marthe, on peut résister à tout. C'est très facile. Voilà, c'était une bonne formation. Non, j'ai pris 2 ans de cours de théâtre quand même avant d'affronter Marthe. Oui. Voilà, quand même. Mais non, affronter, voilà, son vocabulaire. Cours de théâtre ou de défense d'autodéfense. D'autodéfense, c'est cours de théâtre. Gentiment, affronter Marthe, ça veut dire. La Grande Vadrouille avec Marthe Mercadier et le petit-fils de Louis, Laurent de Funès. Et puis Guillaume Durand est heureux de saluer la sortie de votre livre, Marthe Mercadier, je jubilerai jusqu'à 100 ans. Ça, c'est un projet qui vous tient à cœur ou bien c'est une date limite pour vous? À 100 ans, oui. Oui. Oh, oui. Après 100 ans, je prendrai une semaine. Une semaine pour, parce que comme on aura fait la fête et tout ça, pour mettre un peu pour un remettre, calme et tout ça, me refaire une mise en pied, là, et après monter. Hop! Vous décidez de votre départ. Ah oui, 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 une semaine après. Votre rencontre avec Robert Lamoureux, ça n'a pas dû être triste non plus. Oh, Robert, on a débuté ensemble. Robert, c'est merveilleux. Mon Robert, on a débuté ensemble. On a eu notre millième ensemble. On a fait une pièce tous les deux au milieu de notre carrière qui a duré 2 ans et demi. Et c'était Diable d'homme. Et Robert. On a fait le tour du monde. On l'a joué partout. Et ça a été une grande joie. Alors l'énergie de Marthe, ben, vous êtes obligé vous aussi de la contrebalancer sur scène avec, bon, même quitte à prendre la peau de votre grand-père. Parce on va le prendre un peu. Vous avez le physique pour quand même. Oui, hein. On s'adorait avec son grand-père. On ne se gênait pas du tout. On a fait 3 films. Mais il faut la faire taire. Mais te moque de toi, Marthe. Mais ça suffit. On t'a entendu. Je me mets derrière toi. On vous a entendu. Voilà, Marthe est très bien. Elle n'est plus là. Alors maintenant, on va pouvoir être très bien. On est vraiment. On est bien, on est tranquille. Et maintenant, on est détendu. Marthe n'est plus là. Vous entendez. Il n'y a plus rien. C'est fini. Donc maintenant, on veut revenir. Le monsieur, comme je suis ravi d'être là, voilà. Alors, monsieur de Funès, c'est quand même extraordinaire de vous avoir en réincarnation sur un plateau comme ça. Merci. Hein, parce que c'est naturel, mais bon, c'est pas dit que vous ayez le talent d'imitation pour faire votre grand-père. Oui, quand même. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est mais les gens le demandent, non? Oui. Ouais. Est-ce que c'est l'imitation? Ils attendent au rendez-vous. Je me force pas trop. Ça a toujours été plus ou moins naturel. Ouais. Génétique, point. Donc on travaille pas trop, puis c'est tout. On fait comme ça vient, on prend les mêmes colères et c'est rigolo, quoi. On s'amuse. Merci beaucoup pour ce livre et pour cette pièce, mon cher Laurent de Funès et cher Marc Mercadier. Voilà. Bonne tournée. Merci à vous. Merci à vous.